avant d'aller là-bas, je savais qu'ils étaient spécialisés dans le show-in. Donc je me suis dit, bah, je vais voir beaucoup, beaucoup de show-in. Donc il y a énormément de show-in. Mais en fait, il y a toutes sortes d'arbres, toutes sortes de dimensions d'arbres. En fait, ça va du mamet au plus gros arbre. Et dans les essences, il y a de tout. Il y a de tout. Dans les arbres de grosse taille, c'est principalement des pins et des genévriers. Quelques gros feuillus aussi. Il y a plein d'essences d'arbres que je connaissais pas. Des arbres tropicaux, dans les feuillus, il y a plein de choses que j'ai pas su identifier, où il m'a donné le nom en japonais, il a fait que je cherche après. Voir, je sais toujours pas maintenant, tu vois. C'est extrêmement varié en fait. C'est ça qui est fabuleux, c'est que tu peux apprendre tout sur tout, quoi. Dans la pépinière, on a Nobuyoshi Shibata, le père, le fondateur de la pépinière, qui s'occupe de tous les étudiants étrangers. Ensuite, on a Taiga, son fils, qui lui va s'occuper de l'apprenti, qui est parti donc dans un cycle de 4 ans, 5 ans. Ensuite, on a Asanuma, qui est une sorte de référent en fait, auquel on peut s'adresser quand on a une galère, un problème, on cherche du matériel, quelque chose, une question. Auquel le père n'a pas complètement répondu. Donc voilà, ils sont trois personnes, plus quatre avec Yusei qui prend au fil des mois, qui prend de l'assurance et qui devient quelqu'un aussi à qui on peut poser des questions et qui peut nous guider dans le travail. Nous on était censé arriver à 8h à la pépinière. Les jours. On nettoie les allées, donc on enlève les mauvaises herbes. Si on l'a pas fait la veille, on nettoie notre espace de travail. Vers 8h30, le travail commence. Tu sais absolument pas ce qui va se passer. Et tu peux, dans une journée, commencer par des aiguilles des show-ins, ensuite aller rempoter, au mois d'avril, aller rempoter un monstre, ce qui fait 1m20 de haut. Ou alors, il me dit, bah là, il y a une canalisation qui est pétée dans le fond du jardin. Il faut absolument qu'on répare ça aujourd'hui. Donc vous arrêtez votre travail et puis vous venez m'aider. Tu participes vraiment à la vie de la pépinière. À midi, tout le monde s'arrête. Donc les étudiants étrangers retournent dans leur studio, sachant qu'on est hébergé à 2 minutes à pied. Chacun a son petit studio aménagé et on se fait chacun sa bouffe le midi. Et on a 1 heure. On s'arrête à midi, on reprend à 13h. À 13h, tout le monde se remet au travail. On continue nos travaux, que ce soit toutes sortes de travaux de mise en forme, de désaiguillage. Et à 17h, il y a une petite cloche qui retentit dans le quartier et qui annonce la fin de la journée. Donc c'était la fin du travail pour les étudiants étrangers. Ça, c'est aussi cool, c'est que tu pars dans un boulot et tu te dis là, j'en ai pour 2 jours et je vais faire que ça pendant 2 jours. Puis en fait, au bout d'une demi-heure ou d'1 heure, t'entends un mec dans le fond du jardin qui fait « watering ». Et là, tout le monde arrête son boulot et on se met à arroser. Moi, dès le début, dès le premier jour, je pose mes bagages, je passe une petite demi-heure à voir un peu comment ça se passe. Et au bout d'une demi-heure, j'entends ça, c'est l'heure de l'arrosage. Et là, il y a Asanuma qui me met une lance dans la main, qui me dit « toi, tu vas faire la zone qui est devant, là. La zone des show-in, des arbres super précieux. » Je me retrouve à faire ça tout de suite. Quoi. Et en fait, pendant tout le moment où j'ai arrosé, lui restait à 2-3 mètres, il faisait aussi un arrosage sur une autre zone. Et il n'arrêtait pas de me dire plus, moins, pas ici, reviens sur cette zone-là. Donc en fait, tout de suite, tu fais du boulot important, mais tu es tout le temps drivé. Quoi. Ouais. Et donc l'arrosage en plein été, c'est 2 fois par jour. Donc ça peut être à 9h du matin, ça peut être à 11h. S'il a plu la nuit, on n'arrosera pas avant 11h midi. S'il fait très très sec, dès le matin, 9h, on arrose tout de suite. Et je pense que c'est arrivé qu'on arrose 3 fois. C'était assez rare, mais ça a dû arriver une fois ou deux. Donc ce jour-là, on a visité plusieurs clients. Et on est revenu à la pépinière avec des arbres très sympas. Et notamment plusieurs vieux pins rouges. Et à un moment donné, vers la fin du travail, les plateaux étaient faits, l'arbre commençait à avoir une belle allure. Il pose ses mains, il nous dit rien, il pose ses mains tout en haut du tronc de l'arbre, et là il fait...
il descend toute l'écorce, toute cette écorce qui nous plaisait, enfin qu'on trouvait absolument géniale, quoi, magnifique, toute cette vieille écorce, il la descend d'un seul coup, et nous on était abasourdis, quoi. Et on lui pose des questions, il nous dit juste non, c'est plus joli. Moi je préfère, c'est beaucoup plus joli. Plusieurs jours après, on se retrouve devant cet arbre avec Taïga. On lui repose la question, ce qu'il en pense et pourquoi son père a fait ça. Et il nous explique que l'arbre, qui appartient donc à un vieux collectionneur, va retrouver cet aspect que les pins rouges peuvent avoir en pleine nature, notamment ces arbres qui poussent sur les falaises en bord de mer et qui sont en permanence balayés par les vents, par le sable. Et donc cette écorce se défait en permanence. Et donc laisse apparaître cette couleur rouge, d'où le nom pin rouge. Donc il y a toute une génération de collectionneurs qui apprécient beaucoup ça, parce que ça fait référence à l'origine de l'arbre, à la nature de l'arbre. Mais depuis pas mal d'années, on a aussi appris à apprécier l'écorce qui se développe sur un arbre et arrêter de brosser l'écorce même sur des très vieux genévriers, laisser l'écorce avec toutes ses rugosités et toutes ses aspérités. La tendance maintenant, c'est plutôt de respecter ça et de laisser ça. Il y a quelque chose de très important que j'ai vu là-bas, notamment par rapport aux greffes, c'est que j'ai beaucoup observé les greffes qu'ils ont fait et les résultats 6 mois après, 1 an après. Et en fait, quand tu te promènes dans la pépinière, tu vois facilement 20%, 30% de greffes qui n'ont pas pris. Ça m'a observé le résultat de leurs greffes et observé le fait que bah, de temps en temps, il y a des greffes qui ne prennent pas et que pour eux, bah, ce n'est pas un problème. De toute façon, il m'a dit, faut travailler. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Bah, si ça ne marche pas, tu recommences l'année suivante. Et puis, si tu travailles beaucoup, bah, tu vas faire de moins en moins d'erreurs et tu auras de plus en plus de chances de réussite. Et moi, ça m'a vraiment déculpabilisé sur ma propre technique et sur le fait que, en France notamment, c'est des techniques qu'on redoute en fait. On se dit que c'est quelque chose de réservé à des gens qui ont beaucoup de savoir-faire, de techniques. Et nous, l'amateur lambda ne peut pas faire ça. Bah, c'est faux en fait. Tout le monde doit essayer, tout le monde doit se lancer parce que c'est des techniques qui ne sont pas si difficiles que ça. Et c'est en faisant qu'on va s'améliorer, et de toute façon, même si t'es pas bon au début, bah, tu vas quand même en réussir quelques-unes. Et ça, c'est super stimulant pour continuer. Et... Donc voilà, tu travailles, ça marche pas, c'est pas grave. Il faut continuer. Il faut continuer.